Ça vient de cacher de toi, monde. Après, on fait des bagages, on fait des prières, mais sans donner l'image réelle de l'évangile. Et qui mettent dans une position, quand on nous fait entre les villes, ils peuvent même faire connaissance à bon Dieu, ils peuvent même connaître ça bon Dieu, ils peuvent chanter chant de délivrance. Et tout ce qu'on connaît, c'est clair, c'est une vérité absolue. Pas grand union, on a fait pour pas des moments d'épreuve. Même mon bel costume, sous moi. Mais il fut un temps où le ton toile unit. Mais pour arriver à costume, il faut pas des paniers de ciseaux. Amen. Il faut pas des paniers de dents machines. Et finalement, elle doit arriver à la veille pour le mettre sous moi, il n'y a pas des paniers de presse. Ça, c'est la vie. Mais je dis, il y a qui en ouvre l'évangile là. Ça fait tout le monde net en vivant l'église. C'est même pas qu'on salivie. Et mon homme qui a dit Jean, toi, c'est pour la journée. Des mon homme qui a changé aussi, chant pas trop mal. Il m'a mal entendu à pasteur. Et puis, on se met au de l'œil, il a caillé. Ça veut dire qu'on a scandalisé l'église. Et ça, moi, les gens qui ont étudié, les gens qui ont étudié, moi, je suis un peu. Et pour aller déranger l'église, même j'ai envie de déranger les gars. Il y a des silences pour venir déranger l'église. Parce que j'ai envie de déranger l'église. Il y a des fous. À tout les gars. C'est pour côté l'église là. L'église est dans une situation d'incapacité. L'église va rendre quelques services, non? Et d'ailleurs, l'église est le service que Dieu rend. Il veut rendre quelques services. Il veut rendre la société à ses vies. Et il veut rendre chaque membre. Amen. Mais pas non. Parce que l'église trouvait une position de faiblesse. Ouais, je dis, on a la prière pour malade. Mais l'église n'a pas dit nous voulons prier pour malade, non? L'église est guérissée les malades. Amen. Mais c'est pour rien à prier pour malade, ça veut dire nous sommes capables de faire, nous faire. Qui compte faiblesse à sortir? Il sortit en début du fait que des hommes pas d'accord pour chaque nègre exercer le ministère. Amen. Tout le monde sont seuls ministères, des noms chéa, sous chéa, des noms quoi, sont folies tout le monde. Et nous exhortons les frères en Haïti, là on vient dans le pays étranger, il va nous prêcher, nous venons friter, nous venons demander, mentir. Moi je ne vais comprendre mon aide, bon Dieu, l'autre bon travail, pour l'avoir de charité. Si bon Dieu, l'autre bon fond travail, les démarches sont apportées à Dieu. Amen. Si c'est bon Dieu pour vous d'avoir, il va falloir vous apprendre charité, faire lisse, maintenant nous, vous demander, et que vous au téléphone. Ça, ça vous malhonnête. C'est le bon Dieu relève, bon Dieu pouvoir. Il y a des frères nous en Haïti qui ont acheté des billets d'avion, crédit pour venir ramasser comme ici. Et maintenant, vous savez pas, vous nous. Et bien, il y a autant de consulats, il y a des fédérés. Il n'y a pas d'empire sous sa diable, je ne sais pas comment il va prendre. Il n'y a pas de compte à la vie, il n'y a pas de compte. C'est des marchés, oui, des marchés. Et des marchés, ça, vous écoutez, vous avez dit, vous n'avez pas même chien à Paris, vous avez dit, vous avez déramassé. Il n'y a pas comme ce que c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas comme ce que c'est le mécanisme de la parole de Dieu. Bien qu'il vienne dans le mécanisme, sous deux, trois priorités, les malhonnêtes. Les bon Dieu font travail pour s'écouter le métro là, c'est là adresse. Si mon Dieu marreur, mon pied mango, c'est là la côte mange à bas. Amen. Mon Dieu va marrer mon pied mango pour le doux, de gageau, et comme la gnobio là, pour le café. Mais mes bien-aimés papiers matin, nous avons un sujet ça devant nous. Souffrance. Nous sommes chantons cantique là. Nous allons chanter tout cantique là. Nous chantons une strophe qui dit c'est par la foi. Que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin. Il y a des épreuves sans fin. De quelques épreuves, mon Dieu voyait le même pour redresser, ou bien pour montrer une image réelle de Dieu. Et pour arriver à montrer nous la prière, et pour arriver à montrer nous qui ça conduit, et pour arriver à montrer nous la route qui conduit vers le chemin de la vie. Je dis à nous tout ouvrir, on est en train de délier l'évangile. De lier l'évangile, rendre l'évangile pâle, rendre l'évangile faible. On ne veut pas chanter des cantiques des martyrs de la foi chrétienne. On veut chanter tout simplement des petits quais. Des petits quais pour nous faire danser, pour nous faire voler, pour nous faire. Non.
Nous avons des cantiques loups, des cantiques qui entourent de leurs strophes et que nous chantons l'image de la route, l'image du chemin. Nous chantons la nature du ciel. Nous chantons le chemin qui mène au ciel. Mais aujourd'hui, à l'aide des petits cœurs, nous sommes en train de nous égayer. Mais nous sommes en tournant en rond, mais sans trouver la route qui mène au ciel. Amen. Amen. Nous avons très peu de gens qui ont des recueils de chants. Mais tout simplement, nous avons des gens qui chantent des petits cœurs. Nous avons des dirigeants qui se tiennent du haut de la chair. Pendant toute la durée du service, ils chantent des cœurs. Mais nous ne pas chanter des cantiques d'histoire. Des cantiques pour montrer la nature de Dieu, pour montrer le chemin, pour montrer la situation. Et si pas qu'il y a des hommes qui campaient, dans 10-15 ans encore, et moi il a fait une blague. Ce sont des questions de belles robes, des sont de bien habillés, des sont de bien légués, mais vous savez, mais c'est pour qu'ils aient accepté la volonté de Dieu. Amen. Et je viens de voir que les gens qui ont la volonté de Dieu, mais qui ont doute sur lui, parce que vous ne connaissez pas, et pas nous avons dit au cas bon Dieu, avant, c'est vrai, nous avons des moments difficiles. Amen. Prenons par exemple dans l'évangile selon Saint-Marc, Jésus monté avec des disciples en bas, et puis malgré Jésus dormait, au fond de la barque, le texte nous dit la barque remplissait déjà. Le Seigneur est là. Mais pourquoi la barque remplissait déjà? Dans la présence de Dieu, la barque remplissait. Dieu qui va comprendre si, malgré bon Dieu avec elle, mais il va prendre des moments difficiles. Moi-même, ton est béni, ton boss est béni. Mais pour faire merde, planche là. Et si nous avons expliqué le phénomène planche là, pour faire merde. On nous prend le planche depuis les pieds bois. Pour nous vider la tête. Pour nous réduire en planche. Et pour nous prendre quelques feuilles de planche pour entrer dans l'atelier. Et pour planche subir des épreuves. Et finalement, pour le vide meuble. Le vide meuble. Pour ne pas pleurer encore. Parce qu'il meuble. Le vide meuble. Pour ne pas gratter encore. Parce qu'il vide meuble. Le vide meuble. Pour ne pas marrer encore. Pour faire un équipe, pour faire un table, pour faire une surface, ils ont été sur table élargie. Ou pas venir faire une planche qui va l'agir, par exemple, de 50 par 60, 50 par 32, 64 par 40. Mais pour faire une surface, ou marrer les feuilles de planche pour voler. Et pour faire une surface là, c'est comme ça la vie. Nous parlons dans l'évangile, la taléa, et puis nous allons étudier, et puis quand il y a le besoin pour nous diriger, sans aucune formation, sans aucune épreuve. Amen. Et qui vient nous briser communion, non? Peut-être nous ne pouvons pas entrer épreuve dans le système, non? Il vient nous briser communion, non? Nous venons nous rassembler politique, il y en a pas pour jeter l'autre moutée. Amen. Et pourtant, nous consentir des épreuves. Nous obligés d'admettre pour que chaque monde a une place, chaque monde est dans le rang. Il n'y a pas à faire. On met des fous, on met des ambitions, pas capables à chercher des gens qui sont capables. Nous avons des gens capables parmi nous. Et je dis à mon senti, lui m'a dit pour nous chiter en concertation, pour nous repenser l'évangile, pour nous retirer les dans la main. Pour y aller moniteur de l'évangile, pour y aller déjà. Mais on va aller droit diriger le monde, on va prendre rien, Il n'y a pas à faire mon étudiant. Et comme on pille, les gens qui sont en balle pour aller chaque fois pour des zones, même on y va comme un coup de balle pour des zones. Connais pas la parole, nous. Amen. Pas oublier, nous lis la parole de Dieu. À l'église de Smyrne, qui dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et je dis à ton vérité lié, toute vraie serviteur de Dieu, il y a une souffrance à plein. Que les serviteurs de Dieu, c'est pas madame qui a fait ses plis, il a eu un petit de rayon de la mort. Amen. 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 Et nous songeons, c'est clair, dans le jardin d'Éden, quand Dieu prononçait des jugements séparés, soit sur le serpent, soit sur Adam, soit sur Ève, il dit au serpent un mot. Que jusqu'à présent, nous payons les conséquences en disant
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrase à la tête, et toi, tu ne blesses pas les talons. Aujourd'hui, nous sommes mordus par le serpent. Oui, le serpent mord nous. Mais vous voulez faire un travail réel. Oui, si vous regardez, je suis pas prendre un coup dedans. Oui, vous prenez un coup dedans, oui. Quel est qui prend un coup dedans? Un bon serviteur de Dieu, mais pas une bonne santé. Toute journée, un docteur, toute journée, l'hôpital, toute journée, il y a un examen, toute journée, il y a une maladie. C'est pas un modèle de santé. Quelqu'un c'est pas un modèle dans la dame ça qui est côté là. Parce que c'est pas la dame convenable pour faire la route. Quelqu'un qui est côté où ou dit madame, c'est pour mettre pas semblable. C'est un monde pour le faire ou d'abord faut le semblable. Amen. Mais malheureusement, nous prenons mesdames, pour belles cheveux, nous prenons mesdames, pour mon habillé, mais nous parlons pour endurance dans le ministère. Il y a un cap la prière, madame ni a maquillé, madame ni a bras de cheveux, tout le monde.